Il faisait froid ce matin-là, et ce froid semblait peser sur l'atmosphère sinistre. Nous nous tenions devant d'immenses grilles de métal rouillé. Passionné par les récits du passé, et Martine toujours en quête de capturer les fragments d'histoire oubliée, nous étions venus à Auschwitz pour ressentir ce que des milliers d'âmes avaient enduré. Mais nous n'étions pas préparés à cette triste réalité. En entrant dans ce camp, un silence lourd, aucun oiseau ne chantait, comme si la terre elle-même portait le poids des horreurs qui s'étaient déroulées ici. Nous pénétrons dans un baraquement. À l'intérieur, l'air est oppressant. Des rangées de lits superposés remplissent l'espace. 700 personnes sont assises ici dans les dortoirs, dormant à 3 ou 4 par lit. Affamés, battus, malades, des corps décharnés, des regards vides de tout espoir. Nous nous sommes dirigés ensuite vers les douches, le lieu où les déportés pensaient se laver après leur voyage harassant dans les wagons bondés. Nous nous tenions devant les portes de ces douches. Ici, l'eau ne coulait pas, mais seulement la présence d'un gaz mortel. Des milliers de vies furent brutalement éteintes dans ces pièces. Nous sommes passés ensuite dans les crématoriums, où les corps des victimes étaient réduits en cendres. Une odeur fantôme semblait encore planer dans l'air. Devant les montagnes de chaussures, les cheveux entassés dans les vitrines, les prothèses, les vêtements d'enfants, la réalité s'abattait sur nous. Ces simples objets devenaient les derniers témoins d'un crime impensable. En quittant Auschwitz, nous avons pensé ne pas seulement visiter un lieu historique, mais pénétrer au cœur même de l'inhumanité. Dans les profondeurs obscures des mines, loin de la lumière, des vies se sont tissées à travers les siècles, parfois brisées par des dangers silencieux de ces mondes souterrains. Imaginez-vous dans la ville de Wieliczka, une mine de sel où les hommes descendaient chaque jour dans les tunnels sombres, leurs lampes vacillantes faiblement et leur souffle résonnant contre les parois humides du sel. Un jour comme les autres, les hommes descendaient dans le ventre de la terre, guidés par leurs habitudes et le désir de subvenir aux besoins de leur famille. Ce jour-là, quelque chose était différent, un murmure inquiétant dans les murs, une humidité plus dense qu'à l'accoutumée. Les plus anciens sentaient dans leurs os qu'une catastrophe se préparait, alors ils creusèrent, ignorant le pressentiment de danger imminent. Soudain, un cri déchira la mine. Les murs tremblèrent et l'eau glaciale et impitoyable jaillit d'une fissure de la roche. En quelques instants, les galeries les plus basses furent inondées. Les hommes hurlèrent pour appeler de l'aide, mais le fracas de l'eau noyait leur voix. Ils tentèrent de s'accrocher aux parois, leurs mains glissaient.
Ils comprirent dans ce dernier moment de conscience que la mine, ce lieu qu'ils avaient appris à aimer, allait leur prendre la vie. Ils furent nombreux à perdre la vie ce jour-là. Des pères, des frères, des fils, tous emportés par l'eau traîtresse qui s'était infiltrée. Quelques corps furent remontés, mais la mine gardait les autres comme un gardien jaloux de ses secrets. On raconte qu'on peut entendre parfois les voix de ceux qui ont perdu la vie, un écho des âmes qui n'ont jamais quitté les profondeurs. Aujourd'hui, les galeries de Bielinska sont visitées par des milliers de touristes, mais peu d'entre eux savent qu'ils marchent sur les traces d'âmes perdues. Les hommes de la mine de Bielinska ont voulu immortaliser cet événement tragique par des structures et chapelles délicates. Chaque salle résonne de leurs souvenirs. Après avoir entendu le récit de la mine de Bielinska, nous avons décidé de prendre la route pour aller fixer dans nos yeux et nos mémoires le destin tragique de ces hommes qui ont laissé leur vie dans les entrailles de la terre. Accompagnés de notre guide, nous nous sommes approchés d'une petite cage d'ascenseur qui devait nous conduire à 100 mètres sous terre. Arrivée de vastes cavernes sculptées dans le sel. Les parois scintillent légèrement sous les éclairages. Notre visite se poursuit dans un dédale de tunnels pour découvrir des chapelles entièrement taillées dans le sel, des statues, des animaux, des mineurs. Et au détour d'un tunnel, c'est l'éblouissement. Nous restons bouche bée, une salle immense, des lustres qui pendent au plafond, des autels, des statues, des tableaux, le tout sculpté dans ce minéral blanc. Avant de quitter la salle, nous prenons plusieurs vidéos pour immortaliser ce moment. En parcourant les galeries, c'est à nouveau l'étonnement. Des personnages, des anciens mineurs de sel. Ces mineurs ont travaillé durant des siècles dans des conditions difficiles. Nous remontons à l'air libre. Nous sommes ravis et émerveillés par cette expérience unique. Nous pensons avoir traversé le temps sous terre, avec comme souvenir un peu de poussière de sel sur nos chaussures.